Bonjour mes bottes en herbe, aujourd'hui je vous partage une de mes astuces qui est en fait un blush anti-rougeur. Donc comment est-ce qu'on peut faire quand on a des rougeurs, de la coupe rose en hiver, mais ça peut être à toutes les saisons. Si on corrige fortement ces rougeurs, on a le visage plat, donc on a besoin de mettre du blush, mais d'un autre côté si on met un blush classique, eh bien les rougeurs vont ressortir. Alors que ce soit un blush orangé ou un blush rosé, moi personnellement les deux me font ressortir horriblement mes rougeurs. Et surtout quand on applique du blush comme celui-ci et parfois on a il est pigmenté, on a besoin de l'estomper, on a tendance à frotter, ce qui enlève le fond de teint qu'on a en dessous, et donc on se retrouve avec le fond de teint qui est parti, les rougeurs qui sont encore plus visibles, et on rajoute une couleur supplémentaire, ce qui est quand même pas terrible. Moi, ce que j'utilise comme blush, c'est tout simplement un fond de teint en poudre. Donc celui-ci, c'est l'infaillible de chez L'Oréal. Donc c'est un fond de teint qui est quand même très pigmenté, hein, puisque c'est un fond de teint longue tenue et qui est anti-fatigue, donc c'est assez pigmenté. Et c'est une couleur légèrement plus foncée que ma peau. Donc on sait très bien qu'un fond de teint plus foncé, ça fait orangé. Ben, c'est justement ce qu'on cherche pour donner un petit effet bonne mine. Donc je prends avec un pinceau de chez ELF, donc c'est le pinceau à bronzer à 1 €, je prends une assez grande quantité de poudre. Vous voyez, il faut y aller, puisque de toute façon, c'est pas du blush, donc c'est déjà moins orangé, moins pigmenté, et au moins ça va couvrir encore plus nos rougeurs. Donc c'est parti, j'applique ça comme du blush. Hop. Et donc, comme c'est du fond de teint, ça va continuer à couvrir mes rougeurs. Mais comme c'est un fond de teint un peu plus foncé, je vais avoir l'effet orangé, comme si j'avais mis du blush. Donc le blush, on le met du haut de la pommette et on l'étire jusqu'à l'oreille. Et si vraiment vous avez beaucoup de rougeurs ou vous voulez un blush un peu plus discret, vous pouvez juste le mettre un peu plus en arrière. Mais moi, personnellement, je préfère le mettre avec une méthode classique. Donc je fais pareil de l'autre côté, donc j'en prends pas mal, j'espère que ça se verra aussi à la vidéo, mais ça fait pas de trop en fait. Comme c'est un fond de teint en poudre, et ben ça fait pas un effet genre j'ai mis 3 tonnes de blush. Et ça c'est bien parce que si vous avez des difficultés à mettre votre blush, vous prenez un fond de teint trop foncé, qui soit pas trop marron quand même, et vous êtes sûr de pas vous louper quoi. Alors il faut savoir aussi que vous pouvez prendre un fond de teint doré pour avoir un effet plus orangé ou un fond de teint rosé pour avoir un effet un peu plus rose, tout comme un blush classique. Donc voilà, j'ai réveillé un petit peu mon teint avec ma technique sur le blush. Donc si vous avez la coupe rose, si vous avez des boutons au niveau des joues ou si vous avez un teint qui n'est pas super joli, vous prenez un fond de teint que vous allez utiliser comme blush. Alors, moi j'ai pris un fond de teint poudre, ça peut marcher aussi avec un fond de teint en crème, un fond de teint liquide qui est plus foncé. Si vous avez la peau sèche, vous prenez un fond de teint plus foncé, de une ou deux teintes, que vous appliquez et que vous estompez, ça ne va pas plus assécher votre peau, mais ça sera couvrant et ça va faire un petit effet rosé ou orangé suivant la nuance de votre fond de teint. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui, donc j'espère que cette astuce vous a plu. Si vous l'essayez, vous pouvez laisser un commentaire sur mon blog. Je mets aussi en dessous tous les liens pour entrer en contact avec moi. Donc il y a Hello Coton, Quest, Facebook, Twitter, etc. etc. La liste est longue. Je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt mes beautés en herbe.